adopté. La politique, le mouvement de politique culturelle de l'Union a été adopté par la conférence des chefs d'État. Le programme par le conseil des ministres statutaires et ministres des Finances. Donc, a priori, eux, ils sont. Donc, l'argumentaire de nos ministres doit s'appuyer sur ces deux documents s'ils veulent agir et apprendre. Parce que ça, eux, ils ont signé. C'est droit sur le temps. Les ministres étaient là il y a quelques jours. C'est le dynamisme du ministre qui est derrière d'ailleurs, parce qu'il a pris l'engagement ici de bataille. Tu sais, c'est la renaissance culturelle. Renaissance culturelle. En termes de recommandations à l'endroit de la commission, il ne serait pas inutile de mettre en exergue deux points qui nous paraissent essentiels. C'est la mise. Bon, c'est déjà mis en œuvre puisqu'on est à l'atelier de validation, mais c'est le lancement effectif dans les meilleurs délais de la plateforme, quoi. Que la plateforme soit dans les meilleurs délais, disons, fonctionnelle. Mais pour cela, le rôle des États aussi est essentiel. On pourrait revenir à ça et qui est aussi un plan de promotion de ce système, voilà, dans notre espace, mais aussi au plan international. Ça, c'est déjà monté pour la promotion. C'est où? C'est pas mieux, hein? Faire la réflexion aussi. Oui, mais ça, c'est pas au niveau de... Non, ça, c'est fait au niveau de... Non, mais c'est la commission aussi à ça, à jouer, puisque... C'est la commission qui porte le projet. La commission. Il faut le mettre là-bas. La commission. Donc, de récupérer. Ouais. Non, mais ça peut figurer au niveau des deux. Des deux. Des deux, quoi. C'est fait là, il faut le trouver au niveau de. C'est fait auprès des acteurs culturels et autres partenaires. Il faudra qu'en haut, ce soit au plan régional et international. Parce que si vous ne faites pas connaître ce que vous avez, il peut être le plus beau du monde, personne ne le saura. Donc il faut un plan de promotion de cet outil-là, pour qu'il soit connu. Essentiellement centré sur ce qui s'est dit là. Je pense que c'est la première étape de la coopération. Donc, si déjà le ministre accepte une réunion de coordination regroupant les quatre ministères et même élargit aussi aux acteurs, nous retiendrons comme un point à l'heure que s'il expliquait un petit peu les enjeux et les attentes, c'est déjà un point pour les communications. D'accord. D'accord. Pour que vous mettez peut-être votre proposition en parenthèse, étant de valider les recommandations à l'endroit de lui et moi. Parce que la proposition que vous faites, c'est déjà au niveau des États membres. D'accord. Donc, on va valider au niveau de la commission de lui et moi. Il y a trois points. Est-ce qu'il y a une autre idée ou une recommandation qui n'a pas été prise en charge? Ici, peut-être que vous parlez de mise en œuvre de la politique, moi, peut-être que vous parlez du suivi et évaluation de la politique. Et les SACIC sert au suivi et à l'évaluation santé de la politique. Vous parlez pour là, on dit. Prenez le micro. Ici, on dit
informer et sensibiliser les ministères en charge de la culture des États membres, n'est-ce pas, sur les enjeux et l'importance des sacs culturels dans l'élaboration et le suivi et évaluation des politiques. Parce que ce qui fait les SASIC, c'est le suivi et l'évaluation. Dans la mise en œuvre, il y a le suivi et l'évaluation, non? Pas tout à fait, on met en œuvre, après on suit la mise en œuvre. Après on évalue. Bon, je ne sais pas si... L'élaboration, la mise en œuvre et le suivi en œuvre. Quand on parle de ça, là, c'est la mise en œuvre. Ok. 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 Ok